Nous allons étudier quelques propriétés des métaux suivants. Aluminium, argent, cuivre, fer, or et zinc. On teste l'interaction entre un aimant et les métaux suivants. Or, zinc, aluminium, fer, cuivre et argent. On constate que le seul métal courant qui soit attiré par un aimant est le fer. Maintenant, nous allons essayer de différencier les métaux en fonction de leur densité. La densité, c'est le rapport de la masse d'un certain volume de métal sur la masse du même volume d'eau. Tous les cylindres de métaux présents ici ont la même masse de 100 g, mais ils ont un volume différent. On en conclut que l'aluminium, barreau le plus grand, est le moins dense. Ensuite, c'est le zinc, puis le fer, et enfin le cuivre, qui est le barreau le plus petit. Que deviennent ces métaux quand ils sont placés à l'air libre? L'or ne réagit pas. Le zinc et l'aluminium deviennent gris mat. Le cuivre devient vert. Il se recouvre d'une couche de vert de gris. L'argent noircit. Et le fer devient brun. Il rouille.